à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog maîtresse pour une journée avec moi dans ma classe. Aujourd'hui, on est mardi 22 janvier et c'est officiellement mon dernier jour avant mon congé maternité. Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé d'ailleurs quand est-ce que je serai en congé maternité. Et voilà, la date est arrivée pour mon troisième petit bout. On a un petit peu plus de congés. Je vous avoue que je suis triste de quitter ma classe. Mais en même temps, je suis contente parce que j'ai vraiment beaucoup de contractions la journée avec les allers-retours Paris-Lille puisque j'habite à Lille et je travaille à Paris. Donc tout ça, ça se cumule, mais je suis triste. Donc là, je suis en mode, faut que je range ma classe un maximum pour laisser une classe nickel pour ma remplaçante que j'ai pu découvrir et avec qui j'ai pu papoter hier et voilà par mail, etc. J'ai aussi des trucs à finir avec mes élèves pour que ce soit nickel et que quand je parte, tous mes projets, entre guillemets, soient terminés et que la remplaçante puisse commencer de nouveaux projets. Écoutez, ma foi, grosse journée qui m'attend. Comme d'habitude, je vous montre mon cahier journal. Si vous voulez voir d'autres vidéos maîtresses, n'hésitez pas à aller voir dans ma playlist maîtresse, vlog maîtresse, etc. où il y a pas mal de petites vidéos maîtresses. Dans mon cahier journal, il y a toujours le détail des rituels avec tous les objectifs de chaque domaine d'apprentissage. Donc lecture, écriture, orthographe. Donc là, aujourd'hui, on travaillait sur le son wa. On a ensuite sport, donc là tout le détail des jeux que nous allons faire avec ma collègue puisqu'on est en binôme en sport. Donc on va travailler sur le jeu béret ballon, donc on va faire des entraînements pour qu'il soit au top béret ballon, puisqu'on a une sorte de petite compétition entre guillemets dans la ville. Ensuite on a bal folklorique puisque nous on fait des danses traditionnelles, donc c'est en fin de matinée de 11h à 11h30. Après la pause déjeuner, toujours collage des devoirs, voilà, c'est toujours notre rituel. Il y en a plein qui me demandent un exemple de ce type de cahier journal. Je vous avoue que je peux pas l'envoyer par mail, parce que c'est pas... imaginez si j'ai 50 000 demandes, envoyer par mail à 50 personnes, c'est vraiment... voilà, c'est compliqué à faire, j'ai pas forcément le temps pour ça. Mais j'essaierai de trouver une autre solution, je vais réfléchir à ça. Mais ne vous inquiétez pas, pendant mon congé maternité, j'essaierai de faire des petites choses un peu plus... plus dans le partage au niveau de tout ce que vous êtes intéressé. Souvent on me demande des fiches de prep et tout ça. Bon, je peux pas tout vous envoyer, c'est impossible. Donc là, l'après-midi, donc c'est lecture des devoirs et collage des devoirs dans le cahier devoirs. Ensuite, mathématiques. Et en fin de journée, moi j'aimerais bien terminer... tout ce que j'ai à faire avec eux, comme je vous disais, en art plastique, en sciences. Et on a toujours une petite lecture avec ma collègue en binôme. Et je ferai sûrement un petit goûter en fait en fin de journée pour fêter mon départ. Je viens de descendre mes élèves en cours de récréation. C'est pour ça que j'ai toujours mon manteau, puisque déjà je le garde beaucoup dans ma classe, oui. Et puis on a pas mal bossé. Là, je viens de les descendre. Je vais vous montrer après, mais il neige. Oui, mon dernier jour sous la neige à Paris. C'est la classe quand même. Bon, alors après, je m'inquiète pour ce soir. Est-ce que je suis censée reprendre le train pour retourner chez moi, à Lille? Est-ce que je vais y arriver? Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait et ce que j'étais en train de préparer là. Donc, parce que j'ai un élève, oui, qui part aussi ce soir, mais lui part au Pakistan pendant 2 mois. Donc il revient qu'au mois d'avril. Donc j'ai préparé pas mal de choses pour lui, pour que sa maman, elle le booste. Alors on n'a pas le droit, logiquement, de partir hors vacances scolaires. Enfin, pas le droit, mais vous voulez faire quoi? Quand les parents ont pris leur billet d'avion, etc. On n'a pas grand-chose à faire. En tout cas, j'ai envie de vous dire... Donc bon, de toute façon, ça a été prévenu au niveau de l'inspection, etc. On en a la preuve du billet d'avion, etc. Mais... Donc voilà, donc je vais préparer du travail pour que il puisse bosser un petit peu pendant son séjour là-bas. Et qu'il puisse avancer et quand il va revenir, qu'il soit pas trop en retard par rapport aux autres. On verra. Je ne serai pas là pour voir ça, mais je me renseignerai quand même à ce moment-là. Donc là, je suis en train de lui préparer pas mal de petites choses pour qu'il bosse. Alors au niveau de mon élève donc qui va partir, il s'appelle Mazim. Je vais préparer les devoirs donc pour les semaines à venir. Donc vous voyez que son cahier il est dans un état le pauvre. Oh là là. Bon, je vais essayer de lui agrafer ça avant qu'il part. Dans son cahier d'écriture d'ailleurs, c'est un élève qui écrit vraiment très 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 bien. Là, c'est la page qu'on a fait aujourd'hui. Donc voilà, sur le son wa puisque c'est notre nouvelle leçon du jour, on a travaillé donc l'écriture des mots. Ça c'est des mots qui doivent apprendre à écrire par cœur. Donc là, je les ai entraînés, puis à la maison, demain soir, ils devront le faire aussi à la maison pour s'entraîner. Ensuite, j'ai remis des mots un petit peu qu'on a déjà vu, le O, avec le wa, avec le son on aussi qu'on a déjà vu, le son on. Donc j'ai remis des petites phrases, ça c'est vraiment pour l'entraîner pendant qu'il sera parti. Le son en, parce qu'on va le commencer après aussi. Le son en, toujours une fois, mais avec le en, cette fois-ci em. Des petites phrases à recopier.
Alors, il aurait fallu que je prépare un petit texte en script et que lui réécrive en attaché, parce que je sais que c'est une des difficultés qu'il a, mais j'ai pas eu le temps de préparer ça. Donc bon, en même temps, j'ai su hier qu'il partait aujourd'hui, donc compliqué de préparer 50 000 trucs du jour au lendemain. J'ai préparé aussi le son est. Le son est toujours, un panier, tout ça. Et là, je vais lui coller quelques petites fiches de travail que nous, on va faire dans la prochaine semaine et que lui, il pourra pas faire, donc sur le son wa encore une fois. Et des petites fiches comme ça. Je vais lui coller le aura de quoi faire, les devoirs. Je lui ai donné hier toutes les lectures aussi à faire, j'ai donné à sa maman. Et je vais lui préparer le fichier de mathématiques de Pigby. Alors, au niveau de notre travail ce matin, on a travaillé sur le son wa, donc une petite fiche d'exercice. Ça, difficile, hein, parce que on l'a fait collectivement, et vous voyez, même collectivement, il y a des élèves qui arrivent à se planter. Là, il fallait remettre les syllabes au bon endroit, pardon, et là, remettre les syllabes dans l'ordre pour faire les mots demandés. Donc ça, il a plutôt bien réussi, tu me seras, donc c'est plutôt cool. Et on a fait ça, et donc de l'écriture. Bon, bah, je vous montre le parking de mon école, où, comme vous pouvez constater, il neige bien, bien, bien quand même, hein. Ça a déjà fait au moins un petit centimètre, je pense. Et vu comment ça continue, ben ça va être plutôt sympa, hein. Bon, après, c'est plutôt joli, hein, quand même. J'aime beaucoup ce petit cadre. Alors, pendant ma pause de midi, je vais corriger les cahiers de devoirs. Donc, comme je vous dis à chaque fois, je corrige les cahiers de devoirs, les devoirs qu'ils ont faits, et je leur prépare la prochaine feuille pour demain, avec les devoirs pour demain. On les expliquera après manger. Et au retour de la cantine ou du repas du midi, on lave les dents. On se lave les dents. Ça, c'est des kits que le conseil général de la ville nous a offert volontiers grâce à un dentiste qui est au top ici. Donc ça, c'est plutôt cool. Tous les ans, là, pour l'instant, on le fait et ça marche super bien avec eux. Recoucou, il est quelle heure? Il est 13 h bientôt, ça va être l'heure que je vais surveiller la cour de récréation. Je viens de finir de manger, j'ai pas mal de choses à faire. Je vais corriger mes fichiers de mathématiques. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait pendant... Ce matin, parce que finalement ce matin on devait faire béret ballon, vous avez vu dans mon cahier journal, mais c'était impossible puisque il neige encore depuis donc, ce matin. Du coup, impossible de faire béret ballon dans la cour. On a fait mathématiques et danse folklorique dans une salle de danse dans notre école. Les mathématiques, ça a plutôt bien réussi et là on va commencer quelques petites choses en art plastique pour finir les dernières choses qu'on a à faire. J'étais en train de commencer à faire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de finir aujourd'hui avec eux. On verra un petit calendrier comme ça de 2019 qu'on est en train de préparer. Qu'avons-nous fini? On a fini nos matrioshkas que nous n'avions pas fini encore. Donc voilà, des petites matrioshkas. Après, il faudra les découper et les réunir. Il faut que je vois comment je peux faire ça. Donc en mathématiques, c'est notre fichier PIGBI comme d'habitude. Donc ici, on a fait des soustractions mentales, hein, du calcul mental. Ici, toujours des soustractions mentales. Ici, des soustractions, mais cette fois-ci, qui sont écrites, et d'ailleurs c'est difficile pour certains élèves encore. Des additions qui se répètent comme ça, c'est aussi un peu difficile quand même, ça faut que je continue à leur faire travailler. Et une frise numérique comme ça à continuer. Et bon, là il y a quelques erreurs, mais ça va, hein, ça a l'air pas trop trop mal. Faut que je corrige ça, de toute façon j'ai pas fini. Donc ça c'est ce qu'on a fait ce matin. On s'est entraîné sur l'ardoise et en calcul mental, on a fait pas mal de calcul mental avant. D'ailleurs, il y a eu une fille qui m'a laissé un commentaire sous une de mes vidéos maîtresses qui m'a dit que c'était inadmissible que je ne corrige pas pendant la classe. Alors moi, je considère que je ne dois pas corriger pendant la classe. Des fois, ça m'arrive de le faire, par exemple pour les cahiers d'écriture. Ils viennent au fur et à mesure me voir et je corrige tout de suite leur cahier d'écriture. Comme ça, s'il y a besoin de refaire quelque chose, de réécrire un mot, je peux les renvoyer tout de suite le faire à leur place. Mais par exemple, mes fichiers de mathématiques, c'est impossible de corriger avec eux. Je passe dans les rangs pour voir un peu comment ça se passe, si ils sont pas trop en difficulté, etc. Mais je ne peux pas corriger à côté d'eux et les laisser comme ça, rien faire ou en autonomie tout le temps. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas faire ça spécialement dans ma classe, donc je m'organise un peu comme je veux, hein. Alors, parce qu'il y en a qui me donnent des conseils, mais venez dans ma classe, hein, si vraiment vous voulez faire mieux que moi. Mais j'essaie de faire au mieux, en tout cas, et c'est cette façon-là qui m'arrange le mieux. Donc, je reste sur cette façon-là. Il est 19h.
18h15, je m'apprête à partir, j'ai un peu rangé ma classe, puisque j'ai essayé de débarrasser un petit peu des choses pour mes futurs remplacements, etc. Cet après-midi, on a travaillé en découverte du monde, on a travaillé sur la chenille de la semaine. Je suis un petit peu en retard en découverte du monde, donc bah, j'ai fini ça, j'ai travaillé sur les jours de la semaine, etc. Et le calendrier 2019. J'ai pas pu vous montrer grand-chose, j'en suis désolée, j'étais dans le speed et tout pour ce dernier jour. Maintenant, je vais dire au revoir à ma classe. Je reviendrai samedi pour la remise des livrets, puisque j'ai rendu un livret aussi ce soir. Et puis voilà, c'est fini. Je vous avoue que c'est dur, hein. Ça me fait bizarre d'être la dernière dans l'école quand même. Et ça me fait bizarre de savoir que je vais partir. Vraiment. C'est vraiment dur. Donc bon, let's go. Au revoir, petite école. Même si je reviens samedi pour les livrer. Je sais pas. Dès maintenant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Et si vous avez envie de revoir d'autres vidéos, alors pas dans mon école puisque je ne serai pas, mais des vidéos un peu plus organisation, maîtresse, etc. Donnez-moi vos idées en commentaire, je suis tout ouïe. Petit clin d'œil à ma collègue Anne-Marie. La prochaine fois, je ferai ma petite danse en tutu. Dès que je retrouve un tutu, oui, c'est un petit challenge entre nous deux. Donc, je fais des gros bisous, elle va beaucoup me manquer. C'était ma collègue chouchoute. Donc voilà. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très très vite. Salut!